On va continuer avec un morceau composé qui s'appelle M. Balanca. Merci beaucoup. Thank you.
est votre impression depuis votre arrivée ici, depuis vendredi et vos premiers week-ends dans les, pas animer les ateliers du coup à Briançon? Alors moi je dois dire que c'est un accueil hyper chaleureux. C'est comme si on était à la maison, c'est vraiment très sympathique. Tous les gens du festival sont vraiment charmants. Vous venez d'où à la base en fait? Alors nous, moi je suis de Nantes. Et, moi aussi je suis de Nantes à la base, mais je suis devenu parisien. D'accord. Voilà. Et donc on a quand même pas mal roulé notre boss et être accueilli comme ça ici, c'est vraiment superbe. Voilà. Et alors Daniela, tu peux venir t'asseoir aussi avec eux, hein, parce que de toute façon tu fais partie aussi. Je l'avais dit. Viens. Je parlais pas très bien français. Ah mais si, c'est beau, les accents, c'est magnifique. Ouais. C'est ça qui est quel beau. Est votre but du coup dans quoi je suis là, le but, quelle est l'esthétique que vous recherchez à travers votre musique? Est-ce que vous avez des... Alors mais je crois qu'on recherche pas d'esthétique déjà. Mmh. C'est plus la rencontre de musiciens qui viennent d'univers différents. Mmh. Et puis c'est venu un petit peu. En improvisant beaucoup, la rencontre s'est faite à travers l'improvisation libre. Alors évidemment, il y a la trame du jazz dans la manière d'exécuter mais, la musique, de la jouer, mais c'est quelque chose qui est... c'est un trio très original parce qu'il est... Il est notamment des origines des musiciens très très différents. Donc, la réunion de tout ça, ça donne un cocktail très explosif et spécial. Et alors justement, la rencontre, ça part de d'où? Alors ça part de Nantes, musiciens. Ça part d'une manifestation pour le soutien des intermittents. D'accord. Voilà. Et on s'est rencontrés, Maurice et moi. Oui. Et Maurice avait un concert à me proposer, donc il m'a invité. Je suis allé, c'était super, je me suis dit tiens. Et puis je lui ai amené le batteur de Bonobo, je lui ai présenté. Voilà. Je t'ai dit pourquoi pas faire de musique ensemble. Voilà. C'est très naturel quoi. Pourquoi Bonobo? Pourquoi Bonobo? Alors, attention, il y a une vidéo qui tourne. Il y a un très joli petit texte que mon frère nous a écrit. Les Bonobos, parce qu'ils font l'amour, ils font pas la guerre. C'est une autre culture pour survivre. C'est l'empathie plutôt que la violence. Les armées, on les brise. Beau si beau Bonobo. Ils dansent et les grandes forêts supportent le poids léger de tous ces petits rois. Un jour, on est tombé sur un texte qui parlait de ces petits singes qui résolvent tous leurs conflits par l'amour. Et puis, on s'est dit, tiens, c'est nous, ça. Voilà, c'est nous. Et c'est une belle image à donner aux gens d'arriver en disant, voilà, on fait l'amour. Notre musique est faite pour ça. Voilà, exactement. Donc il y a une philosophie derrière tout ça. Voilà. Après, tu as écouté le disque, je pense. Ouais. Est-ce que tu pourrais mettre une étiquette précise dessus? Non, je pense pas. Non. Alors, moi, j'ai vu un reportage justement de musiciens de jazz à New York qui disait le jazz actuel, en fait, le jazz, c'est la musique sur laquelle on ne peut pas mettre d'étiquette, c'est du jazz. En fait, voilà, c'est un peu le résumé. C'est un peu ce qui se passe quoi. Alors bien sûr c'est difficile parce que en France on se remet dans des cases. Donc c'est un peu compliqué, mais voilà. Moi, je suis super d'accord avec ça. Moi aussi. Voilà. Et c'est bien pour ça qu'on est tous ensemble. Ici. Mais c'est vrai que jusqu'au disque Together, on a eu un souci important à ce niveau-là. Où les gens disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça quoi? Vous êtes programmable nulle part. Et puis deux jours, on a eu le label d'un clan qui est mis avec Collision, tout le monde a trouvé ça génial. Ouais. C'était bizarre. Ah, c'est génial ce que vous faites. Et oui, non, mais on est mais pas mal. Voilà, il faut défendre quelque chose, la musique, c'est là que c'est intéressant. Merci en tout cas de vous être déplacé aussi pour les ateliers, l'énergie que vous donnez là-dedans. Ben, merci de nous avoir invités, de nous avoir fait confiance aussi dans ça, et c'est un plaisir. Ouais. Voilà. Attendez, je vais vous trouver une phrase rigolote pour terminer. Vous allez la choisir ou... Non, vas-y. Alors, allez. Fermez les yeux. Hop. Ok. Pas de porno chez les bonobos. De l'amour et du beau. Du porno aussi un peu. Dit monsieur le ministre de l'électorat de ton toit. Mais juste ce qu'il faut. Oui, fait la population. Pfiou, fait le vent dans les arbres. Bonobo, une révélation dérangeante.
Merci. J'ai pris au hasard. Hein. Ah, c'est au hasard.